Tiger Woods est un golfeur professionnel américain qui dispose d'une valeur nette de 800 millions de dollars. Depuis qu'il est devenu professionnel en 1996, les revenus de carrière de Tiger dépassent 1,8 milliard de dollars. En tenant compte de l'inflation, ses revenus de carrière dépassent facilement les 2 milliards de dollars. Il est le golfeur le mieux rémunéré de tous les temps et la célébrité la mieux rémunérée de la planète pendant de nombreuses années. Tiger Woods a commencé à jouer à l'âge de 2 ans et, à 7 ans, il apparaissait régulièrement dans des programmes télévisés et des émissions spéciales mettant en valeur ses compétences surnaturelles au golf. Il a continué à jouer au lycée et à l'université, et lorsqu'il est devenu professionnel en 1996, tout le monde savait qu'il allait rapidement devenir le golfeur professionnel à battre. Il a pratiquement tout gagné au cours des 10 années suivantes, y compris 10 prix du joueur de l'année de la PGA. Il a été numéro 1 mondial pendant un record de 264 semaines consécutives de 1999 à 2004, puis 281 semaines supplémentaires de 2005 à 2010. Cependant, sa vie personnelle a plongé considérablement. Après la mort de son père en 2006, c'était comme si quelqu'un avait sorti un chat sauvage d'un sac. Il a réussi à détruire son mariage et sa famille, à perdre un grand nombre de contrats de parrainage et à s'effondrer au cours des années suivantes. Même si son jeu de golf était toujours à la hauteur, pardonnez le jeu de mots, sa réputation en a pris un coup et ne s'est jamais vraiment rétablie. Dernièrement, il semble s'être quelque peu remis sur les rails, mais seul le temps nous le dira. Eldrick Tond Tiger Woods est né le 30 décembre 1975 à Cypress, en Californie, d'Earl et Tida Woods. Il est leur seul enfant. Il a deux demi-frères, Earl Jr. et Kevin, et une demi-sœur, Royce, issue du premier mariage de son père. La mère de Tiger est originaire de Thaïlande. Tiger a appelé son appartenance ethnique Kablin Asian, comme dans Caucasien, Noir, Amérindien et Asiatique. Il a été surnommé Tigre en l'honneur de l'ami de son père, le colonel Vuong Dang Phong, également connu sous le nom de Tigre. Woods a grandi dans le comté d'Orange, en Californie. Son père Earl Woods l'a initié au golf avant l'âge de 2 ans. Earl était un golfeur amateur avec un handicap à un chiffre. Il a également été l'un des premiers joueurs de baseball universitaire afro-américain à la Kansas State University. Woods a rencontré Elin Nordegren, une ancienne mannequin suédoise et fille de l'ancien ministre des Migrations Barbro Holmberg et du journaliste radio Thomas Nordegren, lors de l'Open Championship en 2001. Le golfeur suédois Jesper Parnevik l'a employé comme fille au pair. Ils se sont fiancés en novembre 2003 et se sont mariés le 5 octobre 2004 au complexe Sandy Lane à la Barbade. Ils vivaient à Ilworth, une communauté de Windermere, une banlieue d'Orlando, en Floride. Le premier enfant de Woods et Nordegren était une fille née en 2007, qu'ils appelèrent Sam Alexis Woods. Woods a choisi ce nom parce que son père l'avait toujours appelé Sam. Leur fils, Charlie Axel Woods, est né en 2009. Il a pris une pause volontaire dans le golf professionnel de décembre 2009 à début avril 2010 pour tenter de résoudre des problèmes conjugaux avec son épouse d'alors, Elin. Woods a admis plusieurs infidélités et le couple a divorcé le 23 août 2010. Le 18 mars 2013, Woods a annoncé que lui et la skieuse médaillée d'or olympique Lynn Seven sortaient ensemble. Ils se sont séparés en mai 2015. De novembre 2016 à août 2017, Woods était en couple avec la styliste Christine Smith. Woods a annoncé en novembre 2017 qu'il entretenait une relation avec la directrice du restaurant Erika Herman, à la suite de spéculations sur leur relation qui avait commencé le mois précédent. Mais en 2023, elle a intenté une action contre Woods au sujet d'un accord de non-divulgation, affirmant qu'on lui devait 30 millions de dollars après que les employés de la fiducie de Woods l'aient enfermé hors de leur résidence et lui aient retiré ses effets personnels. Le 29 mai 2017, Woods a été arrêté près de son domicile de Jupiter Island, en Floride, par le service de police de Jupiter vers 3h du matin. EDT pour conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogue. Il dormait dans sa voiture, à l'arrêt sur une voie de circulation, moteur tournant. Il a déclaré plus tard qu'il avait pris des médicaments sur ordonnance et qu'il ne réalisait pas comment ils pouvaient interagir entre eux. Le 3 juillet 2017, Woods a tweeté qu'il avait suivi un programme intensif à l'extérieur de l'État pour résoudre un problème non précisé. Lors de sa mise en accusation le 9 août 2017, Woods a demandé à son avocat, Douglas Duncan, de plaider non coupable pour lui et a accepté de participer à un programme pour délinquants primaires en état d'ébriété et d'assister à une autre mise en accusation le 25 octobre. Lors d'une audience le 27 octobre 2017, Woods a plaidé coupable de conduite imprudente. Il a été condamné à 1 an de probation, à une amende de 250 $ et à 50 heures de travaux d'intérêt général et à des tests de dépistage de drogue réguliers.
Il n'était pas autorisé à boire de l'alcool pendant la probation, et s'il violait la probation, il serait condamné à 90 jours de prison avec une amende supplémentaire de $500. En février 2021, Woods a été impliqué dans un grave accident de voiture lorsque son véhicule s'est renversé alors qu'il se déplaçait vers le nord le long du boulevard Osorne à Rancho Palos Verdes, en Californie. Il a été constaté que Woods conduisait à plus de 80 miles par heure avant de s'écraser, et Tiger a subi de multiples blessures aux jambes et a dû subir une intervention chirurgicale.